Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien, hyper bien, bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore de Jenny BSG et Docteur Idéologie. Donc, il y a Jenny BSG qui vient de publier ses photos, donc, à visage un peu défiguré, comme quoi elle accuse Docteur Idéologie de lui avoir frappé. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Je vous laisse suivre la vidéo et on se revoit juste à la fin de la vidéo. Didier Deschamps, tu vois bien qu'un Kylian Mbappé n'est pas en forme. Mais il faut les changer. Toi, tu prends 8 attaquants pour mettre qu'un attaquant sur le terrain. Tu vois bien que depuis 4 matchs, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas changer. Osons changer tes petits homonies. Et là où mes doutes se sont vraiment accentués, c'est quand vous avez commencé à lutter contre... Tu vois bien que... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. La plupart d'entre vous, vous me connaissez, vous m'avez connue comme la Jenny, toujours souriante, toujours qui danse, qui est toujours de bonne humeur. Mais je pense qu'on oublie beaucoup que je reste quand même un être humain. Je suis un être humain, tout comme vous. J'étais haut, j'étais bas. Parfois, je suis triste. Parfois, je suis en colère. Et parfois, je pète un câble, en fait. Et aujourd'hui, je remarque que petit à petit, je m'ouvre de plus en plus à mon public. Je m'ouvre de plus en plus à ma communauté. Vous apprenez à me connaître sous différents angles. Pas juste la Jenny souriante. Et ça, en fait, ça permet aussi de me libérer d'un poids énorme. Un poids qui fait que je ne suis pas vraiment vraie avec vous. J'aime bien être vraie, j'aime bien être une vraie personne devant vous. Et j'ai choisi d'exposer ma vie. J'ai choisi d'exposer mon talent comme ma relation. Et j'ai donné ce que je voulais donner, ce que je pouvais donner. Et maintenant, à vous de le prendre avec le respect. Prenez-le ou prenez-le pas, mais si on reste dans le respect. Toutes les personnes qui ont prié pour moi, toutes les personnes qui m'ont encouragée, toutes les personnes qui m'ont soutenue, ça a fait qu'aujourd'hui, avec monsieur, ça aille beaucoup mieux. En effet, ça va beaucoup mieux. Je dirais même largement mieux. Par contre, j'ai un grand étonnement à mon sujet, sur le fait, en fait que je sois noir et congolais. Donc, impérativement, il y a de l'adultère en l'air. Je bats ma femme. Tous les pires défauts qu'on peut attribuer à un homme, on me l'a donné parce que je suis noir et congolais. Ouais, ouais. Et je parle de pas en général, de certaines personnes. Le plus vexant, c'est que j'en ai vu pas mal de la communauté. Donc là, il n'y a pas de souci, on n'est pas dans du préjugé, c'est juste que j'ai juste un constat. Il y a beaucoup de clichés. C'est vraiment un gros cliché, je pense, un cliché dépassé. Je pense que le... Qu'il faut déconstruire. Ouais, mais il faut se déconstruire. C'est pas tous les hommes noirs qui trompent leurs femmes. Le truc moi qui m'a choqué, et qui m'a même fait mal au cœur, c'est comment on a mal parlé de Jenny, on l'a insulté. Il y a eu des menaces, il y a eu un peu de tout. Il y a eu du harcèlement. Il y a eu du harcèlement, il y a eu de la... Tout ça gratuit. Voilà. On a fait des erreurs, ok, certes. Je pense qu'on a extrapolé un peu la chose. Ils ont dramatisé. Ouais, non, ils ont dramatisé. Ils ont dramatisé la situation. Je pense que du coup, on ne pense pas aux répercussions que ça peut avoir sur certaines personnes. Et du coup, on aimerait vraiment s'en... Merci d'avoir suivi la vidéo. Alors, j'ai juste une question à vous poser. Que pensez-vous de cette affaire de Jenny BSG et Docteur Idéologie? Vos réponses en commentaire. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis, on se revoit pour très bientôt. À ciao. À bientôt.